a connu la naissance des M23 avec Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a institutionnalisé les M23. Pardon? Joseph Kabila mutu a potisi M23 na Congo. Mutu a pesi bango makasi ya kobanda ko réclamer basenga ka lelo musolo na maboko ya l'état congolais ezali Joseph Kabila. La plupart des infiltrations auto connaître na kati armée na biso na la police, c'est Joseph Kabila mutu a facilité en mot. Régime à bango ya Afdel. On crée des rébellions, on prend des Rwandais. On les intègre au sein de notre armée. La plupart des infiltrations auto-connaître dans quatre armées, dans Bissona, la police, c'est Joseph Kabila qui a facilité en mot. Régime à Bangui et Afdel. On crée des rébellions, on prend des Rwandais. On les intègre au sein de notre armée. M23, la guise du mouvement du 23 mars. Bonjour mon ambouga sénateur. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Comment vous me sentez trop partout dans les lettres d'Andoké à Congolais Télévision, il y en a partout dans Katamonati, mais vous êtes là partout, vous êtes là partout, un petit coucou. En tout cas, mbote na bande konyo so bazolanda biso, je suis fier d'être reçu na plateau à Congo Live Télévision et je profite vraiment l'occasion pour na kosenga na ba imboka nyonso et tozala toujours inu. Merci na ba patriote nyonso bazo porter Congo na mitema na bango. Merci beaucoup mon mboka sénateur, tout bête mon sénateur Congo de la République. Boni boni RDC, mboko yo tambona ndeli mon mboka sénateur. Température et climat politique et RDC zande mon mboka. Bon, mboka RDC iki kezali parce que tu traversais toujours zone à turbulence lorsqu'il s'agit y a changement. Changement nyonso eyaka toujours na zone moko ya turbulence, changement nyonso eyaka na crise. Ça dit température par rapport à mboka ezali que présence ya fati ezali ko peur ko senga na congolais nyonso a adopté attitude ya sika, changement ndenge na lobaka wana bitando nyonso que les congolais sont priés d'adopter un nouveau type de comportement, ce qui fait que les crises qui se faire sentir ça d'abord lié à la mentalité na biso. Mais dans l'ensemble, nous pensons que le président de la République fait de son mieux pour que Congo ait kende na direction ya malam. Mon amboka sénateur lui que tout ça là tout effort que Congo qui a direction malam. Tout ça moi c'est mon qui sur l'histoire de la République démocratique du Congo, comme en 1960 jusqu'à le 2022. Évolution en Boka, aussi la Kokita, aussi la Komata, tout ça, toujours dans le cercle officiel, mon amour, soit analyse, na yo, ou que ça ait 1960, si les représentants, comme déjà, na, na, tout mais déjà, dans 63 ans, il y a indépendance, la République du Congo. Bon, vous n'allez pas de ça, vous n'allez pas de bon, très amer par rapport, tristesse et Zali, par rapport à la gestion en Boka. Ça fait plus de 60 ans, ça dit plus d'un demi-siècle. Les Congolais souffrent toujours de la part des dirigeants. C'est-à-dire, nature et gouvernance au Bissau Tozui, depuis l'indépendance, il y a beaucoup de Bissau et permettre d'être dans le Congo et décoller. Donc, moi, je suis dans le sens du patriotisme et je suis épargné. Je suis dans le Bissau, c'est-à-dire, oh, bah, qui bah, a main les jeunes États indépendants du Congo. Oh, après l'indépendance, le président Kasavubu et le Lumumba, moi, Mawa topé moi pitié l'analyse na biso ezavi vis-à-vis na bango qui avait pris un jeune état avec beaucoup de problèmes liés na colon na façon ya linga ya tikela biso mais kolongwa gouvernance ya Mobutu koyati lelo tokomi na Félix Tshisekedi vraiment ezali catastrophe catastrophe parce que deux individus seuls nde mutu ba komi si Congo na 21e siècle oyo toza lelo na climat moko au malsain au bat musu peut-être bakoko lati ngo Félix Tshisekedi qui n'est qu'un nouveau venu. Donc en 50 ans deux individus Mobutu Joseph Désiré Mobutu na Joseph Kabila 32 ans plus 18 ans ça fait 50 ans un demi-siècle. Vraiment je peux dire que chaos autozu en matière de gestion bango ndé vraiment mutu ba enfoncer biso poto comme à niveau haut. Mais l'espoir c'est quoi? L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais qui en ont marre avaient accepté à couper sa confiance dans mon amboka Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un travail facile.
dans un pays où il y a une infrastructure sur le plan institutionnel, sur le plan matériel, par terre. Alors, relever des défis d'un Congo qui est un État presque existant. Pourtant, l'État congolais, l'État mongoboué, mais c'est dans la forme, dans les fonds. Le Congo est un banditisme d'État. Lorsque les bandits, hommes forts, se retrouvent dans l'État, dans ce contexte-là, l'État n'existe pas. Félix Tshisekedi Azana Moussala Makassi, pourquoi? Parce qu'il faut réinstaurer l'autorité de l'État. Banani ba botoli makasi ya l'état, eza ba criminel économique, ba criminel d'état ou te connaître na mboka na biso sans toutefois ko cité ba mboka Congo. Moussala Tshisekedi komi passe lelo po bato wana ba comprendre que ba loi ya mboka, eza ba texte ya pamba te zo senga ki to matérialiser ngo, c'est-à-dire to respecter yango. Yango koko so azana ngo, il est l'homme à battre parce que ça soit sur le plan extérieur ou sur le plan intérieur, les prédateurs bato ba lingite ke mboka Congo eza la organiser. Souci na bango ezali to continue toujours koza la na désorganisation, to continue toujours koza la na désunion. Nation mokote na monde se développe pas sans unité, sans l'amour. Nation mokote na monde se développe pas sans conscience ya bato. C'est ce qui manque au Congolais le lopo to relever ba défi wana. Donc par rapport à mutuna na na koloba ki na 60 ans, plus de 60 ans au biso tous eu indépendance, nous avons échoué en termes de gouvernance, nous avons échoué aussi en termes d'amour de notre patrie. Parce qu'on ne peut pas parler de gouvernants sans parler de gouverner. C'est-à-dire que les Congolais peuvent pas avoir besoin de la responsabilité. Pendant qu'on dansait les ndombolo, pendant que tout cela qui distrait, hier, notre patrie était en train de sombrer. Nation est indignée, l'inconscience n'a pas besoin. Le roi a toujours conscience. Il faut peut-être avoir la patience à croire que. Nous sommes comme par miracle, par enchantement, c'est le fruit du travail. Les grandes nations ne sont pas nées en un seul jour. France, États-Unis, quand les Congolais parlent, ils vont se comparer à la grande nation. Mais il faut avoir un parcours à la grande nation. Ils ont connu aussi des dictatures, des fois plus sanglantes que les autres. Mais c'est avec le temps, ils ont acquis une certaine expérience où ils ont dit que le lot va être mature. Alors, si tu as brûlé l'étape T, si tu es obligé normalement de l'endapper l'étape wana. C'est vite tu as changé, mais vite tu as un changement na kati ya mboka na biso. Mais les gens veulent un changement qui vient comme par enchantement. Le roi Tozu Félix Tshisekedi, un président congolais, on parlait de Kabila Kaza rwandais, ce n'est pas un fils du pays, il y a une gestion. Félix Tshisekedi, c'est la voie des miracles. Non, il n'y a pas de miracle dans le contexte de la gouvernance. Il faut que tout le monde ait conscience na ye, qu'il soit de gauche ou de droite, ceux qui ont commis na point ya ko diriger mboka aux ala na sens patriotique oye ba ko bannir ba anti valeur et wana zo ki peli kamwa kante parce que za ba tumsu pe ba ina Félix Tshisekedi aujourd'hui ba za accusé na ba détournement na moyibi. On peut faire cette analyse là sans parti pris si tout congolais se reconnaît d'avoir une certaine maladie pour vice na biso lelo eza ki moyibi corruption ba anti valeur eza ko pona kante. Congolais nyonso même au bazo chamakile lelo ba changer gouvernement au bâtir ba juissaire au ba changer ba tia ba tumusus ba to ba ko tia wana c'est toujours les Congolais qu'ils soient de l'extérieur tala lelo toza ba diaspora ba outi libanda ya mboka. Ils vivaient dans des pays stables, dans des pays où même ceux qui otangité, mais tu as la possibilité dès que ozana mwana ozana mwasi oboti déjà bana ozwa kambongo comme chômeur ozozo mbongo na compte bana nayo olepe fufu olali pongi. Mais ils viennent dans un pays boy bango mutu bauti ko mona critère ba mboka musu ndenge zoza la organiser. Ça devait être eux ba mutu ba ko aider biso po biso pe to relever niveau. Malheureusement la maladie des Congolais est générale. Même mutu azali banda il se comporte toujours comme mutu moko azana na 16e siècle na kati ya Congo. Ça fait très mal. Donc, je peux m'arrêter par rapport à la question de l'évaluation. Il y a 60 ans pour vous dire que vraiment, les grands défis sont là où ils sont que bisoto relevé en haut. Ils allaient défis, il y a Kolbanir, Banti, Valeur.
Merci beaucoup, mon amour, sénateur. Nous aussi, qu'on décortiquait le Cambo-Italie, 61 ans, 62 ans, indépendance et démocratie du Congo. Tout le monde a besoin pour aller le Cambo-Italie, et puis c'est pas qu'il passe le Cambo-Italie, l'est de la démocratie du Congo. Au-dessus, comme on a baillé MB3, ou bien c'est aussi la Makassi, baillé Gosu n'a renfort. Donc je ne sais pas quoi dire les renforts là, ou bien c'est quoi y'a n'ango. Mais en gros, il y a un peu de Cambo-Italie, baillé MB3, ou bien c'est quoi y'a renfort. État de siège, c'est quoi l'emba, état de siège, c'est quoi, ben, mais n'y suis à tête, ou les animaux n'ont pas. Bon, il y a des bosso, n'a pas abordé question là vraiment. Je pense que na kamoko oyo et senga kaza na façon moko ba communiquer ka soki les Camerounais les ali. Vraiment cette question là na lingina éclaircir un peu pour na kotali sa baimboka que to ko aborder question et attaque ya M23 té o bazali soutenu par les Rwanda sans toutefois que ça la retourne à histoire. Parce que biso ba congolais loko bomaka biso ezali totala ka maimaleka té pour to ça la examen malamu minutieux. Il y a présent pour que nous devons faire pour le futur. Le mal congolais, c'est de refuser l'histoire. M23, sur le plan étatique, le Congo a connu la naissance de M23 avec Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a institutionnalisé le M23. Pardon? Joseph Kabila Moutou a coté ici M23 dans le Congo. Moutou a pesi bango, makasi. Yakobanda ko réclamer basenga ka lelo musolo na maboko ya l'état congolais ezali Joseph Kabila avant que Félix Tshisekedi aya na pouvoir le M23 bazalaki mouvement moko rebelle mouvement wana rebelle après makambo dialogue intercongolais parce que ba mususu baye batubele baye bakate M23 ezali ko fonctionner ndenge nini. Après dialogue intercongolais, le principal mouvement rebelle, Oyo, Bazalaki, Kosala, Baravage, na est à Congo, Bazalaki intégré dans l'institution, Bamoussous, le lieu comme parti politique, tout ça, Nango. Nango, Nango, Tanga, Bakombo, Belete, mais ba MLC, ba RCDK, RCDML, les Maï Maï, les Ceci, tous les partis politiques issus des mouvements rebelles, après les dialogues intercongolais, Bakota qui n'a qu'à sa gouvernance, Bakota n'a qu'à sa institution. Et comment il roule la COP? On sait que Joseph Kabila a créé aussi lui-même ces mouvements rebelles, a créé la rébellion en co pour accoter sa bango ou infiltrer dans la Kati armée. La plupart des infiltrations auto-connaître dans la Kati armée, dans la police, c'est Joseph Kabila qui a facilité en mot. Régime à bango et Afden. On crée des rébellions, on prend des Rwandais, bah, ça, bien, bango, bah, Congolais. On les intègre au sein de notre armée. Mais mon ambo quand infiltration et armée n'abuse bandi banda ka Joseph Kabila tête depuis mon mutu tilé lo mon. Ya ona za ko lobana yo oyo biso to yebi. L'infiltration est institutionnalisée et commis pendant malamu avec Joseph Kabila. C'est là où on a vu des officiers militaires d'origine rwandaise. Bazoya na sima ya ba rébellion ba koti si bango na kati ya armée congolaise. Mais Mouzé ta msala ka ngopeta. Ya na zolo ba. Mouzé c'est lui, Mouzé c'est Joseph Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que toza ko subir toujours ba conséquences ya régime ya Afdel. Que même en termes de loi. Même aujourd'hui ba loi auto zolo ka to changer na mboka na biso, c'est l'Afdel nde mutu baza la base mango. Et quand je parle l'Afdel, la pérennité de l'Afdel, topé le tolobako Afdel Sogeye Moulaye après le roi et Mouzé, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Tout ce qui a été conclu entre les Rwandais. C'est la continuité. C'est la continuité. Permettez-moi d'aller plus loin. Je suis en train de dire que M23 est Outaki. M23 est le mouvement rebelle. Il a signé un contrat avec Joseph Kabila. Il a signé un mikanda avec Joseph Kabila. Tu as mis un mikanda avec un signé. Il a signé un mikanda avec un combo. Pour le lot, pas si M23 est en train de avant toi aborder ma kamwa Rwanda pour n'attaler ça au malamu ils allaient que accord na bango signé avec Joseph Kabila M23 il a ici mouvement du 23 mars une année que j'oublie c'est entre 2010 ou 2011 ce mouvement du 23 mars signe les accords avec Joseph Kabila ba sali ba accord na bango balobi qu'il faut bango pe ba intégrer bango na kati armée ba banda ko futa bango ba salaire pourquoi bazola ta tenir à faire DC c'est parce qu'ils ont été reconnus par Joseph Kabila qui bazapé na kati armée bakobanda ko futa bango mais pourtant basala ka musala moko te pona mboka et comme bazaba élément ya Kagame Joseph Kabila avait fait bien allégeance na ena Kagame ba yebi ke Joseph Kabila za na pona ko protéger ben intérêt na bango
Là où maintenant place se confie où Tshisekedi, Félix Tshisekedi qui est venu à sa nature et sa façon d'orienter sa politique. Kagame a monique et Félix Tshisekedi met à mal ses intérêts. Bah, intérêt n'est pas mis, tout est à respecter parce que bah, comprendre que l'économie est en bonne économie. Le trou est belé, il est bouché, il est en Kangango parce que moyen bas le sous minerai na bango ezate. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant pour se venger? Kagame venait de déclarer la guerre de manière moko discrète, mais à l'oba qui a déjà tokoti ka bongo té insécurité ya ko comme pas na biso à comprendre déjà ce qui va se passer à l'oba qui a déjà avant. Mais comme Félix Tshisekedi pour ba tout bazon condamné président ba le non président aza mutu moko large aza na complot na Kagame. Azawana collaborateur naye, comment il peut rire avec Kagame, comment qu'on peut saluer. Ah ben, il y a même partenaire crédible. Oui, il y a un azoloba. La politique et la diplomatie a le droit de jouer sa diplomatie. Il a le droit de faire sa politique. Mais ce que nous pouvons retenir de lui, c'est que na règne naye, Kagame komi biloba loba. Na règne naye, Kagame, c'est ça en insécurité. Olo M23 sali ezali na bénédiction à Rwanda. A réclamé une zone d'influence dans le monde pour exploiter les minerais. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi ne peut pas accepter que dans les pays que lui dirige, M23 via Kagame va continuer à exploiter les minerais dans le monde dans le territoire Mokoboué. Tant que ça attaque dans le monde, tout le monde dit bien que l'armée congolaise aujourd'hui monte en puissance. Pourquoi? Parce que Bazan appui Oyo depuis Reni Mobimba ya Kabila, Baratay, Bazan qui en haut. C'est l'appui politique et diplomatique. Bazako bunda bango moko na fronte, le président joue aussi sa diplomatie na faveur na bango. Le président fait sa politique na faveur ya au far de sa zo sala. Je pense que c'est déjà un élément essentiel. Le résultat y en est qui va attaquer Bisso. Mais quand on a les airs qui suivent, va repousser bango ti na place Bazalaki. Je peux vous dire maintenant là, ça peut être tokokinango musika te parce que ça relève de la sécurité nationale. C'est Kagame maintenant qui vient de creuser sa propre tombe. Parce que, à où tu creuses tombe, est-ce que vous répétez ma molo vivant en Boka? Kagame est en train de creuser sa propre tombe. Pourquoi? Dans le point où il a commis, c'est à partir de la RDC que Kagame va quitter le pouvoir. Quand on a dit qu'il y a la RDC, on a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Avant d'aller au pouvoir, il est passé par le Congo. C'est par le Congo aussi qu'il va sortir parce qu'il a déjà traversé la zone rouge. Bah, américain, des secrétariat d'État américain. Na batunyon so ba complota ki na complot international pour balkaniser le Congo. Ils ont déjà tourné la page. Pourquoi ba accepter Félix Tshisekedi accéder na pouvoir? Mais Kagame ne digère pas ça jusqu'à maintenant. Azo kanza ke note azo continuer kaka na règne o ya bango, na empire na bango y matuti, ils vont infiltrer le Congo, ils vont diriger l'Afrique centrale, tout ce qu'on connaît de wana. C'est déjà du temps perdu. Comme il ne comprend pas a commis déjà dans la phase où il faut qu'on gagne le pouvoir. Je n'irai pas plus loin, mais le message qu'on va lancer aux Congolais, c'est que Bisson se trouve à la FARDC. Mais je sais que pour Kagame, les taux se resserrent autour de son régime. Vous verrez qu'avec Félix Tshisekedi, tu reçois l'année dans Malobaté, mais stratégiquement, il est déjà cuit. Parce que ceux qui sont à l'époque à Kabila, on devait rappeler nos militaires, avant d'ici Bango, Bango Bakani, ma position dans Bango. Mais pour voir qu'avec Félix Tshisekedi, ce ne sont pas les réalités du passé, nous devons continuer à utiliser les lots, bah repousser Bango. Mais moi, je vous dis, Etikali Loko Moko, je ne sais pas, par peur de dire certaines choses, mais Etikali Tamouke, Kagame va quitter le pouvoir. C'est au prix de son pouvoir qu'il joue. À Tongi, Rwanda, au prix du sang des Congolais. Félix Tshisekedi, à la Kissi Amour, pourquoi Félix Tshisekedi salue Kagame? Pourquoi il appelle mon frère? Mais après tout, en tant qu'humain, Félix Tshisekedi n'a pas le droit de manifester sa haine vis-à-vis de Kagame. Si vous avez un sommet, moko, comme Bazaki na Jordanie, raison est sali que vous avez un sommet. Si les raisons d'État veulent que vous échanger, ils doivent échanger. Mais la stratégie reste la même. Biso Congo, tous les pays moko à vocation et à puissance. Les 9 petits pays qui nous entourent, Baza condamné dans les jours qui viennent, dans l'avenir, Biso de rediriger le pays wana. Nous sommes parmi les pays stratégiques dans le monde. Au Baza na ba frontière rebellée. Il y a des pays à 13 frontières. Il y a des pays à 11 frontières. Je ne sais pas entre la Chine et la Russie. Nous avons 9 pays frontaliers. Nous avons une vocation de puissance. À l'époque de Mobutu, ça s'est fait. Mais malheureusement, la diplomatie à Mobutu, c'est là qui prend la gloire na Emoko.
Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi fait une diplomatie pour l'avenir de la nation. Il ne fait pas une diplomatie à ceux qui ont le pouvoir. Donc, par rapport à l'attaque de M23, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va payer les dettes. Que les M23 soient basés à Bézé, Balanda, Moutou, Assigna, qui va encore, c'est Joseph Kabila. Le Congo n'a rien à voir avec les M23. La revendication n'a pas été fondée. Bala que ça vise la constitution na biso où est-ce que bango bazai na porte d'entrée quoi. Mais moi mon sénateur mon amboka fait tonne ce qui j'allais quoi qui n'a pas bien avec bayimbayi et peut tout va prendre la table moi ça n'a pas qui me coûte la gata est arrivé au quartier de Congo. Na lobby le col les alliés M23 T ce n'est plus le temps. Na na za ko senga na président. Directement bino directement bino mo bayimboka ba qui se directement Rwanda. Ya mon azolo ba président a entamé prochaine étape. Hein? Et tu as dit que Félix Tshisekedi c'est quelqu'un d'imprévisible. Tant que je suis là, je vais arrêter. Peut-être que nous avons eu le temps. Bateau va sous-estimer qui est dans la mouka, qu'il avait mis à l'écart. Sous pression. Baye va quitter force naïe. Sous pression. À non, non, loin d'abord. Même Yemoko, il a dit que le changement c'est Martin Fayoulou. Non, non, écoutez, il a dit que le changement c'est Martin Fayoulou, c'est la politique. Il devait normalement valider ce qui était fait. Mais comme à l'UDPS, c'est la pyramide renversée, c'est la base qui décide. Pour montrer qu'à l'UDPS, il y a des gens matures, Babo Yakiamou. Il avait fait ça consciemment et bah, que les siens ne vont jamais accepter et le koyo ils allaient il y a Martin Fayoul. Mais vous verrez que tout le monde a comploté Abimi Yemoko. Mais enfin à ça à changement na yomoni qu'il s'en sort. Je parle d'un individu que je maîtrise bien. Félix Tshisekedi, c'est un homme imprévisible. Il a la capacité à camoufler batbamona gendinga yakate pour certains azoba. Pourquoi? Parce que dans un dossier beaucoup important, on ne sait pas voir ses positions. Mais tant qu'on agit ça, Batubele va comprendre comment Moutou va changer. Je vous dis comme prédiction par rapport à Makambegoya dans l'avenir. Kagame va quitter le pouvoir à cause de la présence de Félix Tshisekedi en RDC. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas cette année, mais vous verrez, Makamona Rozon a un plateau au Romonango. Nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours dans la conséquence de la politique et de l'Afdel. Complot international et visa qui ont balkanisé Congo et visa qui que Congo est un non-État. Nos frères congolais faibles ont validé ces complots-là. Mais Dieu est bon, nous avons résisté, on n'a pas balkanisé notre pays. Mais il ne faut pas s'en prendre à Félix Tshisekedi de penser qu'il y a des commis collabo, il y a des Rwandais ou quoi que ce soit. Non, ça c'est méconnaître l'histoire. Moi, je rappelle à ma compatriote Nyonso, au bazar que l'endama, la situation à guerre, au bazar comprendre le côté. Les M23, Mouta validé Bango, Mouta Pessi Bango force, c'est Joseph Kabila, n'a pas tout naïe ou l'élo y a PPRD. Ils savent quel genre de politique va mener à Kina Rwanda. Ce n'est pas Félix Tshisekedi le collaborateur de Kagame. Félix Tshisekedi a 3 ans au pouvoir. Regardez les résultats. Il y a 3 ans au pouvoir, il y a Tshisekedi en termes de sécurité. C'est plusieurs villages. C'est plusieurs bastions, il y a des rebelles au Félix Tshisekedi à reconquérir le drapeau national et Zako flotté. Nous avons aujourd'hui l'ambition que l'armée Nabiso est augmentée en termes de nombre pour nous sécuriser toute l'étendue du territoire national. Mais le complot avec Joseph Kabila, c'était que l'armée Nabiso est sous-équipée, l'armée Nabiso est numériquement faible pour ne pas sécuriser le point Nyonso parce que c'était leur complot. Aujourd'hui, nous allons s'en prendre à Félix Tshisekedi, je ne sais pas, Bazolo Bananine. On n'a pas beaucoup à dire. Nous lançons toujours à la ministre de la Défense via président de la République. C'est l'état de décréter la guerre contre les Rwandais. Ah? Comme communauté internationale. Vous suivrez dans Mouzito. Dans le lobby Mouzito. Mouzito a raison. Je ne suis pas Mouzito. Non. On est Congolais. Mouzito, c'est un Congolais. Il est été. Écoutez. Mouzito, fou, non? Non. Écoutez. Mouzito l'avait demandé. Non. Écoutez. À chaque moment dans la politique, il faut que l'on ait étape. Félix Tshisekedi, en tant que leader, devait procéder aussi de sa manière. Toujours dans la phase pacifique, où il faut résoudre le problème à l'africaine. Le rôle de la Rwanda, à l'ingé maintenant, mais il y a des sous-moussapina mouzindo, n'est pas qu'à Félix Tshisekedi pour voir
Ce qui est congolais, il y a solo bakoli. Il faut les remettre à sa place. J'ai déjà tout dit. Je vous dis. Mais il faut que ça fait ça carré gabé ngabiswa ngabiswa. Non non. Tout le monde mais c'est gérable. Non non. C'est gérable. Carré ngabiswa. Écoutez, toi même à gérer un peu dans la polémique. C'est nous qui savons. On a lobby, biso to gérer un peu dans la polémique. Nous avons géré Kagame Tamulai. Côté toujours kende, le temps va aussi. Mais je vous dis, en toute quiétude, Nandenge Yakimia, le Congo va retrouver sa grandeur. Le Rwanda, c'est un petit pays. Qu'on s'acharne, qu'on finga, qu'on l'obawana, ça. Ils ont vraiment qu'on ressemblé à Bissoté. Mais on voit aux hommes que le Rwanda est à niveau naï. Si aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas comprendre qu'ils attendent voir dans un avenir proche ce que deviendra Kagame, na au gloire où il y a bâtir, il y a Rwanda, où il y a un vieux lélo. Parce que gloire où ils ont bâti dans l'injustice, ils ont un de court, tu dirais. Il suffit qu'il y ait un mot de pomme au monde qui s'est effondré. L'économie rwandaise, ce qu'ils ont dépendre dans la calamité, dans la catastrophe, dans les Congolais ou dans l'Est, il suffit que Kagame quitte le pouvoir, tout va s'effondrer. J'ai pitié pour les Rwandais parce que le modèle économique qu'ils ont construit sur base d'un individu qui s'est fait allié des prédateurs du Congo. À servir l'intérêt na bango mais il sera ridiculisé comme tous les autres présidents africains au bazaki ko sakana na bango. Félix Tshisekedi a sa vision bien que nous sommes en face des puissants du monde au bazaki ko tala l'intérêt na bango mais la vision de Félix Tshisekedi ce que Congolais comprendre en haut to kozala na amour et à patrie to kozala uni ça ne sert à rien biso to s'entretuer. Pourquoi on a reçu à nous mater pendant tout ce temps? C'est parce que Congolais yé mokazo boma Congolais qui ont validé cette agression, c'est les Congolais. Banani bandimi complot international contre le Congo. C'est les Congolais qui ont accepté et qui participé à complot wana. Les autres n'ont pas changé mutu wana. Donc je vous dis mon frère que les Congolais se posent des bonnes questions. To poser ma question wana na histoire na biso total à tout wapi. Ma bé outi la wapi et je pense que c'est de là que nous allons prendre les bonnes décisions pour aider notre pays à aller de l'avant. Merci beaucoup mon sénateur pour ce bloqué de ce biso tout bêtement pour le monde qui comment dirais bah peuple autochtone ou bah yimbo kabango moko donc bah toi avec nakati est bango moko bah fils maison donc c'est la bango moko puis c'est comme si bah c'est pour la bango bah M23 en gros comment bah mais la bango biloko bah ministre c'est la venue comme la moko analyse c'est quoi ça les camotaliers bah peuple autochtone ya est bon bande qu'on a vu ce belé toi et que système oyo et dénatura bango. Et de nature, pourquoi vous voyez au début, j'ai demandé à Bandai Koloba, Nazo Lobangwa, il y a un problème, il y a une guerre. Il y a une génération de nos frères de l'Est, où il y a un contexte, moko, on ne peut plus clair. Contexte, c'est lié à Nini, à Mamba guerre. Imaginez-moi, nous sommes liés à Tatanaye, à quoi le environnement, moko, moussa, les a passé, l'absence de l'autorité de l'État, il y a certains enfants, il y a un état d'esprit. Wana. Alors, il y a bongo. Il y a bongo qui s'habitue dans le système, il y a bongo, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent la région. Mais pour ceux qui veulent y rester, ils apprennent à vivre avec ce système-là. Il y a bongo vivre dans le système, mais il y a bongo qui s'habitue dans le ADEF. ADEF, et comment on a bongo qui pour la plupart? Il y a bongo qui collabore avec bongo, il y a le commerce. Azoko sakakenda kabilanga njoka kenda komemela ba ADF biloko ça dit bakoma ko lia na système wana c'est la guerre seule ne suffit pas tu que trop ça la guerre faire des sazo bunda mais il faut que les Congolais changent aussi de mentalité il faut que nos frères au système ané sokota bango na makila ya ko vivre na guerre ya ko vivre na complicité yo moko zo lela ke l'état zo sunga biso te l'état e ko sunga yo mais akuti ke yo moko lusumu tu déjà là ta makambo wana parce que la plupart des mots qui rongent l'est du Congo les Congolais peuvent comment pour la plupart bango mutu bazo créer ango l'insécurité permanente à l'est du Congo et aussi la carte atteint état de siège et aussi la paix na conscience à les Congolais bango moko que non il faut tout changer et là du côté à gouvernance et logo ya kosengezali il faut ba structure encadrement ya malamu parce que des jeunes gens qui naissent dans un environnement et insécurité oyo bazo tanga classe té bazo zo tenter à kolia malamu musala pe akomi na age ya kosala azo zo musala té. Il a toutes les possibilités, bah risque nyon sezali ya kokende ko se retrouver na kati ba mouvement rebelle. Le na côté wana ndé na kanisi que l'état doit travailler sérieusement, il faut des moyens pour na ko encadrer malamu jeunesse.
moni processus ya DDR où il y a désarmement, démobilisation, réintégration sociale, n'est-ce pas les maca. Président Fatia Lansaki Ango, pour ceux qui ont la conscience que tout ce salamabe, bazonga qui va écouper sa mindouki, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, le mouvement rebelle et belé, bazonga la reddition. De ce côté-là, on peut encourager la gouvernance de Félix Tshisekedi qui est au moins batouana baza obim. Mais babima pas mbate, moi j'encourage à rendre batouana utile. Il faut normalement moussalo au service national à Zosal. Ministère de l'agriculture, n'est-ce pas besoin que va relancer la politique agricole, surtout à la poumon vert, à la poumon moko et agriculture en Afrique centrale. Va utiliser main-d'œuvre, on a bateau, on a outil, on a formation, on a service national. L'Est du Congo était une fois les greniers, il y a Congo, il y a Congo mobile. Si vous êtes à l'Est du Congo, malgré la guerre, où il y a pomme de terre la moins chère, vous allez manger du boudin, il y a farine, il y a pas en Kinshasa. Mais à l'Est du Congo, c'est de la viande. Hein? Il y a possibilité que va propulser le développement à Kouenwana. Mais il nous faut la paix pour ça. Il y a une priorité à président Félix Tshisekedi déjà que Kimia Ezonga na Est du Congo pour relancer le processus ya Makamoussous. Mais pour les Congolais, ça c'est un message que je passe na Bandeko na biso. Il y a espace, il y a Grand Kivu, Bandeko na biso, province orientale, Maniema, et partout il y a l'insécurité. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes bah, victimes et biso moko pe ba bourreau. Yo moko za victime, yo moko pe za bourreau. Yo mtozo le la insécurité bazo ta na biso te gouvernance amabe, mais yo nde gorgère. Yo nde mutu ozo kosa ke ozana kati ya société civile, mais yo nde mutu bomaka batu na butu. Yo ozo kosa ozai journaliste ya makambo etali guerre, mais c'est toi qui va communiquer les informations ozo pe sango na ba rebelle. C'est un paradoxe, normalement ils a sous normal et na contexte so tozali. Donc ceux qui toza uni de comprendre la réalité de l'Ouganda Est. Toutes les ethnies, dans l'Est du Congo, ils ont des milices. Il y a un contexte où ils ont des milices. Il faut réapprendre à vivre ensemble. Les politiciens ont été divisés. Il faut abandonner ça. Les gens ont été électeurs. Ils ont conscience que dans les années à venir, lorsqu'il y aura élection, ils ont été malam. Et je pense que c'est. Il y a un état de la politique au Congo, de l'Est, la République du Congo. Tout le monde a besoin d'Italie, déclaration de mon amour qui a bon. C'est là qu'on déplore toujours la gestion de mon amour qui a fait un ce qu'il dit, la gestion de mon vraiment, qui est au Mingité pour le Congo, pour le Samaké, pour le souffrir, pour le Nanzala. Bon, tout le monde a toujours carné à faire un bon, papa épiscope. Alors qu'on déplore toujours le comportement. Gestion ya mon amour capitaine tu sais que dit na na bona ni sami na maloba na e bondi bone ko ingola ya bon Fridolin Ambo d'abord na koloba ke tout est clair, il n'est plus l'église au milieu du village parce que muto azali nganga na nzambe azaka na katikati azaka na parti prité certainement akoko élevé voix na ye c'est dans le droit ceux qui a monique koko so ezali makambo ye ke ni malamu te. C'est un constat. On ne peut pas l'empêcher de faire un constat dans un état de droit. Mais je ne sais pas si je d'abord, avant ça, le constat, la procédure est là. Je rappelle à chaque fois que Tozo a passé tout le présent, avant les élections, il avait quelqu'un, position est là. Et là, on est opposé à Félix Tshisekedi. C'est qu'il n'avait jamais été d'accord avec Félix Tshisekedi avant les élections. Lorsque les élections ont eu lieu, Fridolin Ambongo, Azaki Nakaya Tshisekedi, il soutenait la Mouka. Après les élections, Félix Tshisekedi a fait tout en tant que père de la nation pour se réconcilier na Fridolin Ambongo, na l'église catholique, où Azaki représentait. Bah, il est d'accord qu'il faut mettre avant tout l'intérêt supérieur de la nation, bah, accepter qu'il. Yepé Fridolin Ambongo Azaki, d'accord. Tshisekedi a fait ce qu'il n'a pas fait Joseph Kabila pour na, le défunt cardinal Mosengo. Fridolin Ambongo en a bénéficié. Mais chose grave, il y a peu de temps ici, Tomoni Fridolin Ambongo, qui a oublié tout ce qui s'est passé au Congo pendant 18 ans à Joseph Kabila. A l'objet que Denis Nani, Olive Lembe, Namo Bali Naye, Makambo ya moni impressionné, makambo privé ya Joseph Kabila na mwasi na ye o balila ka bambongo na bango parce que eza business na bango ya luliango alubiki o ya moni kuna epesi esengo aibaki te ba kosa musala lokwa wana
il va leur apporter leur aide, son aide. Jusqu'à tant que nous avons besoin, il sera à leur côté. Et puis, les trop jeunes ils peuvent servir la nation. Les mêmes propos, il y a Fridolin Ambongo et Zala qui répétaient par Olive Lembe, tant que nous pardon, j'ai un grand katanga, tant que nous avons à répéter un mot que Mobali Nanga Zana nous gêne, il peut encore servir les nations. Est-ce que Kabila n'a pas eu assez de temps pour nous faire tout pour le Congo? Est-ce que Fridolin Ambongo ne sait pas qu'en pleine messe, Batubaza Kosala Losambo pour Namboka, Babeta Batubagaz, Batupe Bazu Massassi, les bandes à l'église, pour Nanini, Bandai Kotele, mais la régime à Kabila? Est-ce que Fridolin Ambongo souffre d'amnésie par rapport à tout ce qui s'est passé dans les pays? Nala Oloba, qui a déjà un camp. Celle et l'eau comme on est nous escalier na Kabila aujourd'hui na Ezaki il achète tout le monde muto onion soya koki Kabila ko salamo maloba ya Fridolin Ambongo Ezaki ayete soki ba pesi o kanyaka o rolia na suka na simana ngo ko zalo obligé o loba malobe ko se pelisa muto pesi o kanyaka constat na ye général ya gouvernance ya Tshisekedi ezali solo c'est que Félix Tshisekedi abomi mboka Joseph Kabila atonga ki yango. C'est plus grave. Ceux qui t'ont réfléchi, les Congolais vont réfléchir dans les boumous au lieu de réfléchir avec leur cerveau. Ça, c'est Fridolin Ambongo qui nous amène encore à dire tant que Félix Tshisekedi a le bimbo qui est koufa, il a fait une messe pour répliquer. Il y a comme porte-parole, il y a un peu de temps à opposant à Félix Tshisekedi. Mais c'est pire lorsque l'église n'est plus au milieu du village. Les fidèles catholiques ne sont pas les membres d'une famille politique. Bazali ba membre ya parti politique. Ba fidèle catholique bazape ba membre ya cardinalité. Cardinal azaka mukambi. Bazaba to yo ko espérer na bango te pona ko désorienter bango. Le bilan de Félix Tshisekedi, je pense que pour un Congolais conscientia ko yeba ke ko se résumer kana libongo na yete. Il y a plusieurs priorités nazaka ko continuer ko lobana ba imbo ka to comprendre que Paul Libumu etonda, essaye la sécurité à Malam, essaye la politique à Malam, politique et économie, politique et sécurité à Malam ou à Mboka, essaye l'aménagement à Makamwebele pour que les Congolais soient alliés à Tonda. Je ne sais pas dans quel contexte Fridolin Ambongo a zoomé à Makamwezo Simbate, parce que quand il y a un ça l'avant, et Koufi ou bien il, je sais que c'est un problème d'intérêt. Pour ceux qui se retrouvaient avant que Félix Tshisekedi ne vienne au pouvoir, on va comprendre que l'intérêt au Bango Bandai Kolia de manière illicite, il y a l'État congolais. Le lot Félix Tshisekedi a empêché Bango que l'intérêt au Bango soit en train de Félix Tshisekedi sera l'homme à battre à cause de l'ennemi. C'est dans cette catégorie-là que je classe le cardinal Fridolin Ambongo. Ils allaient pleurnicher, comme certains kabilistes aujourd'hui. Mbongo, ils allaient bien, parce que Moutoumoko a un salaire à 300 personnes. Parce qu'un groupe d'individus, chaque fin du mois, bazo a un salaire à plus de 3000 personnes. Ba côté ici ba kombo ya ba fictif y compris église catholique peut azupe ba tout ba fictif atie bango na carte administration publique l'état du misaka mbongo pesa na bato ba existe kate église catholique peut eza à la base ya pourrissement ya état congolais eza à la base ya corruption na moyibi ezo salema na mboka. Quel exemple peut nous donner le cardinal Fridolin Ambongo? Moi je pense que le président Félix Tshisekedi a tika ko apaiser biso na politique à réconciliation azanango ba bimisa avec toute transparence, gestion et école conventionnée catholique, parce qu'ils ont convention à l'État. Tout à l'heure, bien haut, ils ont conventionnel entre l'État congolais et l'Église catholique, ils ont été gérés. Lui qui veut prêcher, dans le gouvernement, il a été tout à l'heure, il a été gérés. Dans le bilogue, il a été catholique, il a été départagé. Comme ça, tu vois qui a raison, qui a tort. L'argent qu'on vole les Congolais, au bas, ministère, mais l'Église catholique n'est pas les Congolais. Chaque jour qui passe ici, l'Église catholique continue à voler les Congolais. Voler pourquoi? Parce que fictif ou en a parce que n'a pas facilité. Il faut qu'on lande là partout pour éliminer tous ces fictifs-là. Vous allez me dire qu'un cardinal il y a niveau Wana à quoi vous prêchez mis sur gouvernance, même si il peut avoir raison. Je ne dis pas qu'il a raison. Même si supposons qu'il a raison. Il y a potu ils ont na 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 je pense que à Pesibiso passe à Zamoussali à Zambete. Nani cardinal Ambongo. Bande ko ba catholique ba limbisanga. Azada na kazaka politique, azana na kanaye. Mais que nani cardinal Ambongo. Azana kazaka politique, est-ce que comportement Zamoussali à Zambete?
makamu na ebiso akende kolanda zwa kamera na yo kita kende peut-être na archidiocèse à Kinshasa à place tozali kita na limité autant la concession ou les actes conventionnels concession ya l'état na catholique oyo eza censé kozala na église na ba école batongi ba magasin batongi ba biloko ebele oyo bango kaka ba archidiocèse na bango ezolia ekoma kopa basango ba lia mbongo batongi banda kuna concession wana soko kei na sima wana trouver concession wana na 13e rue batonga banda banda ko bango batonga batya ba locataire alors qu'on a besoin de nouveaux locaux ba nouveaux locaux pour na salle de classe mais on a construit des maisons où batu ba foute lac ibisangai convention ya batu ou bien convention ezala ki pour na charité parce que l'église catholique na convention na ye ezali mingi na vision moko philanthropique abandé pour soutenir l'éducation et en gros l'état peut sayer ba concession mais aujourd'hui comme presque ba œuvre commerciale qui bouffe l'argent va allez-y yo moko sala recherche ya ko tuna ngai na prochaine émission na moko pe na voyer le liste au comprendre combien des écoles aujourd'hui il y a église catholique pembongo ezaka géré ndenge nini 60% ya mbongo bazoli yango na ba gestionnaire wana même ba enseignant bazoli la mais mbongo ebele kota kana ba école. Je préfère m'arrêter là, mais il y a que ça passe mingi parce que la plupart y a bateau basaye ko kamba mangomba na biso d'église na biso bango mutu bazape ko participer na prédation ya masse bango mutu bazako aveugler biso pour to continuer ko zala na ignorance bango ba continuer ko s'enrichir. Donc c'est mieux ya ko longola longola kazaka kisango alata na e cravate na veste à sa la politique. Le choix est clair là-dessus que ko yebisa biso kazo te ya biso alors que au fond il a ses positions qui ne sont pas les positions d'un homme de Dieu. Merci beaucoup, Mme Boka. Tu as dit que 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 si on a un peu plus de temps, c'est qu'on promet que vous un démo qui a été en Maroc. Mais à la grande surprise, spéculation dans ma casse, le président de la République a été en train de se faire. Il y a eu un éclaircissement dans la Cambodge, le président de la République a été en Maroc. Bon, je pense que tout court, sécurité nationale oblige par rapport à la priorité. Na oyeza ko sale manakati amboka agression wana ya Rwanda via M23, je pense que par l'ordre des priorités, même si le président Sako a annoncé à monter le président annulé yango, mais le bon sens fait que priorité nationale est la sécurité amboka et cause la football. Mais nous restons toutefois attachés na qualification ya ba Léopard na biso. Non, non, Libaku est kozalaté parce que Libaku est kozalaté. Pourquoi? Parce que ça va me soit d'abord mon agent mabé. Ah, ma camisée belle en boka parce que on dirait que quand le président de la République n'est pas là, c'est comme si le pays ne fonctionne pas. Non, le pays a les institutions qui fonctionnent. Si le président de la République se déplace, les institutions continuent à fonctionner. Pourquoi il n'avait pas déplacé? Il y a un azolo baboué. Là où il y a des morts, là où il y a l'insécurité, la priorité va là. Football, tu es bien qu'ils appellent actualité mon aîné, 48 ans après. La RDC a participé à la Coupe du Monde. Si aujourd'hui la RDC participe encore à la Coupe du Monde, c'est une fierté nationale. Na kanti peke ekoveye même pays n'été na biso et ko sala biso bien moko boue parce que tout ne peut pas toujours parler tout le bagage en termes ya politique masano pe zalak parce que l'homme est un être oyo en dehors ya ba travaux to sala ka mambele to sala ka tozala na besoin pe ya divertissement. Alors, j'amour au travail à kaka, ba idée na yeke ne peut tena likamo ko ko rendre yo et retoper distraire yo. C'est dans ce sens-là que tous nos esprits, tout en même temps que tous allés, qu'on s'attache à la faire des scènes au bazar et à Bitumba. Tous allés qu'on s'attache à la léopard, à la bisopé au bazar et à Bitumba, qui est basé à qualification. Et moi, je pense en toute conviction que nous avons une supériorité vis-à-vis du Maroc. Les chances sont de nos côtés parce que ce tous allés analysent les invalables. Tout le monde a que, bango devant bisopé au kakaté. Nous nous sommes qualifiés pour tout que dans la Coupe du Monde, tu élimines à bango. Tu gagneras bango. Donc sur le plan historique, même récemment, tu gagneras bango les sous. Alors, nous avons
un avantage par rapport à Nabango, mais l'avantage là ne suffit pas. Non, non. Bango paye en retour, bamoni qui sont aussi inspirés. Quand ça j'ai mis Simbo na monsona eh. Bah oui, mais ça ne coûte rien. Bah qui en a déjà ma vacances na Bango. Mais quand ça j'ai mis Simbo na monsona eh. Ok Maroc t'as. Billet avion à Maroc et ça la Bango. Quand bien quoi quand ça j'ai. Quand ça tu dis monsona eh, ah qui t'as guima fruit avec Simbo na monsona. Nazo le banayo yoka. Gouvernement chez a t'as le meilleur Maroc. Yoka naie gouvernement a ça n'a droit à soutenir staff y a soutien y a les îles au par. Ezali, on a budgétisé le ministre des Sports n'a fait qu'au fa bas en charge aka. Ok. Alors ceux qui ont Hollande là pour nous tourner bas quoi ils savent que staff y a Léopard na biso bas qu'on a l'accompagné na bas supporters. Ces supporters là, l'État paye les billets pour eux parce que bas ceux qui ont soutenir Léopard na biso. Mais le reste y a bateau bas qu'on de manière individuelle bas autorité à l'État. Oh y a pour une qui n'a pas n'importe qui indépendant qui ne peut soutenir équipe comme moi. Je peux ne pas être dans la liste de supporters, il y a Léopard. Mais je peux payer moi-même, na voyager, na kei, na participer à un match, ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup, Mme Bouga. Maintenant, il faut que Kézer appelle Léopard. Bonne chance, Mme Bouga. Mais là, je l'encourage. Dans un pays comme celui-ci, Martin Fayou, Congolais, je vous dis, Namé. Léopard. Nalobi. Naminito. Martin Fayou, Congolais, appelle Léopard. Bonne chance. Mais, Nagobo, il y a mon dingue. Je suis un peu plus de temps. Bakoboya, c'est une visite à quoi côté naya à Kéipe, à Pessi Bangombo, à l'obité, n'a pas la gagne à la vie. Mais oui, ça peut se faire. Étranger, hein, Oyo Andimi Lelo, Congo comme seconde patrie, ou bien à se naturaliser comme Congolais, est-ce qu'ils ont le droit de soutenir Léopard? Bah, étranger, mais le roi Katumbi, Kasi, papa n'a pas juif, maman n'a pas zambienne. Si le roi a commis congolais, si le roi a soutenu le parc, il y a ça qui a football, ça qui a d'ailleurs bien. Il y a commis ça qui a été fait. Merci beaucoup, mon beau sénateur. Tout le monde me connaît. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci.